On commence, messieurs, avec Johan Pelé, le gardien de but de l'Olympique de Marseille, 34 ans. Il a disputé l'intégralité des rencontres cette saison. Il est quatrième aux notes du phocéen du match. C'est donc une belle performance pour lui qui réalise également 18 clean sheets en Ligue 1. Performance rare puisqu'il y a 38 matchs quand même. C'est quasiment un match sur deux où il n'encaisse pas de but. Mais il a quand même encaissé 49 buts, notamment face aux grandes équipes. Fin de contrat dans un an. Il est question aussi d'une éventuelle revalorisation et d'une peut-être prolongation. Alors qu'est-ce qu'on fait du Johan Pelé? Champions Project, Complément Project ou Ailleurs Project? Stéphane Bringuier. Champions Project, je le mets remplaçant du futur numéro 1. D'accord, mais remplaçant assumé qui peut être remplaçant pendant les 2-3 prochaines années. Absolument. Très bien. René Malville. Ah bon, absolument. Et puis, pour en revenir à ça, c'est vrai que moi, si je vois arriver Mandanda à l'OM, moi, si je suis Pelé, je m'en vais. J'ai dit, je vais pas être le second de Mandanda. Parce que Mandanda, pour moi, c'est pas la grosse pointure européenne qu'on arrête de nous emmerder avec ça. Depuis, il a plus joué, puis là, s'il revient ici, c'est qu'il y a des gars qui fait des offres pour lui. Alors moi, si je prends vraiment un gardien de haut niveau que Pelé... C'est ce que tu veux, en tout cas. Voilà, je veux un gardien de haut niveau. Et Pelé sur le banc. Et Pelé sur le banc. Mais si je peux prendre Mandanda, si Pelé s'en va, il a raison. Le message est passé. Il a pas de Mandanda. On parle de Pelé, ici, avec Romain. Alors... Moi aussi, Champions Project, je pense que ça peut être une super double. C'est bien d'avoir une doublure comme ça, donc tu sais qu'elle a le niveau. Et puis, tu parlais de sa revalorisation salariale. Je trouve que c'est mérité, au vu de ce qu'il a fait, aussi de l'état d'esprit. Il faut des joueurs comme Johan Pelé dans un vestiaire. C'est pas forcément un cadre, c'est pas lui qui va aller parler aux autres et compagnie. Il est peut-être un peu à l'écart de ce niveau-là, mais il en faut. Il faut des gens comme ça, ça fait du bien. Tu valides aussi cette théorie, Bernard? Doublure Project. Doublure Project, c'est vrai qu'on aurait pu avoir aussi ce terme. Mais quand même, donc, on a l'impression que, messieurs, vous comptez en tout cas sur Johan Pelé pour la saison prochaine, voire un peu plus. Hein, et il est donc, selon vous, Champions Project. Mais c'est vous qui décidez, car à chaque grill, un sondage avec les trois propositions. Et c'est vous, en fait, qui tranchez, qui nous dites ce que vous voulez faire des Olympiens.